permettait de créer un monde meilleur. Nous sommes venus à Tintagel. Cela provoque une sorte d'engouement pour cet endroit. Est-il envisageable qu'à l'époque du véritable roi Arthur, après avoir retiré l'épée du rocher, Arthur doit faire ses preuves pour devenir le roi incontesté de Bretagne. Avec Merlin à ses côtés, il s'impose comme un souverain juste, généreux et courageux. Mais pour être tout à fait roi, il doit prendre une reine. Ce sera Guenièvre, fille du roi Léodagan de Carmélide. Alors, objet magique qu'il va offrir en guise de dot à Arthur, en guise de cadeau de mariage. C'est une table dont le pouvoir est de se mettre automatiquement à la taille du nombre de personnes qui sont assises autour d'elle. Petit à petit, la renommée d'Arthur, le roi préféré des fées, va attirer à lui les plus grands chevaliers. Ceux qui vont devenir les chevaliers de la table ronde. Ils vont se mettre au service d'Arthur. Il y a là Yvain, Gauvin, il y a là Sagremort, Lancelot, Perceval. Et ces chevaliers vont faire régner la paix et la justice sur l'île de Bretagne. Et l'âge d'or va commencer dans la légende du roi Arthur. Und vielen Dank, Scott, für die schnelle Hilfe. Das hier lag auf dem Rollfeld. Ist das Ihres? Nein, aber ich geb's ihr. Gleich zu Ihnen. Dann gehe ich schon mal vor. Es ist das Apartment im zweiten Stock rechts. Gut, vielen Dank. Qui vont chacun suivre leur quête, qui dans la forêt de Brocéliande, qui dans les îles merveilleuses, qui dans le nord avec des dragons, des géants, des fées, des nains. C'est la geste des chevaliers, les hauts faits qui s'enchaînent les uns après les autres, les quêtes miraculeuses. Et tout cela finira par culminer dans la quête qui les dépasse, les surpasse. La quête du Graal. Les chevaliers de la table ronde, le compagnonnage guerrier, la communauté. Hein, comme la communauté de l'anneau, et bien là, la communauté des chevaliers ira chercher, quérir cette merveille, ce Graal. Là, il y a clairement quelque chose à comparer avec notre Hobbit et Tolkien. Hein, la communauté de l'anneau, tout ce compagnonnage guerrier qui s'organise pour partir chercher pendant un an et un jour cet objet métallique. Dans le cas du Saint Graal, le roi Arthur lui-même ne joue pas un grand rôle. Le roi Arthur n'est plus tellement présent. Dans l'autre cas...